Salut tout le monde, c'est Satana, c'est joyeux Halloween. Comme vous voyez, je vous ai fait un petit setup avec ma tronche. Pour une fois, vous pouvez la voir. Comme ça, si je sursaute, vous le verrez tout de suite. Avec des petites citrouilles, avec la jaquette du jeu. Donc on va essayer Clock Tower, un jeu de Human sorti en 95 sur Super Nintendo. Un jeu d'horreur qui fait peur. Et je suis en Retro Achievement, j'ai pris une version traduite en anglais. J'espère que les achievements vont fonctionner, normalement il n'y a pas de souci. Allez, on se lance dans l'aventure tout de suite. On peut choisir un début rapide, une partie normale, la liste des fins, parce qu'il y a différentes fins au jeu. On va lancer le jeu. Le bruit de porte qui claque. Élevée à l'orphelinat de granit, Jennifer et ses amis vont être adoptés, quoi. Ça se passe en septembre. En gros, elles sont en voie d'adoption. On entend les bruits de pas. Laura, dépêche-toi. Nous devons y arriver avant le soleil couchant. Miss Mary? Oui. À partir de maintenant, dans quel genre d'endroit allons-nous vivre? C'est la 5e fois que tu demandes. N'aie pas peur, c'est un endroit très charmant. Très bien. Nous y sommes presque arrivés, vous voyez? Très rassurant ce manoir. Qu'est-ce que c'est grand? Ouais. Le hall est gigantesque. Le hall principal. Je dois aller chercher Miss Barrows. Tout le monde attend ici. Donc la tutrice s'en va. Et il y a nous et nos 3 copines, apparemment. Et ce jeu est un point and click, donc j'ai un pointeur comme ça. Donc pour aller parler à elle, par exemple. Le bouton c'est Y. Et Anne, tu veux savoir quel genre de gars est Monsieur Barrows, n'est-ce pas? Ah, c'est Monsieur Barrows, ouais. Ah, c'est tout, bon. Allez, parler à elle. Je sais pas combien de temps ça va durer. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui va pas? Cette maison me rend mal à l'aise. D'accord. Je sais pas combien de temps ça va durer. On verra quand je vais mourir. J'espère avoir des achievements. Je doute que je pourrais m'habituer. Je doute de pouvoir m'habituer à cet endroit. On a dit pourquoi. Ah ouais, il soude de sa gueule. La paranoïa de Lot. Elle s'appelle Lot. Peut-être Charlotte. Je peux pas cliquer sur ce tableau? Non. Là non plus. Et la table on peut. D'accord, elle n'a rien à dire à propos de la table apparemment. Bon bah on va se déplacer. Et si on appuie 2 fois, normalement si on appuie 2 fois on peut courir, mais bon, pas encore, peut-être. C'est les escaliers. Pas cliquer sur le tableau. Et par là il y a quoi? Tableau, une table, encore un tableau, une porte, un interrupteur. Non, on peut pas cliquer sur l'interrupteur. Ah, la porte est bloquée. Il n'y a pas de Bon bah on va prendre l'escalier alors. Je peux pas courir madame? Apparemment non. Pas tout de suite, tout du moins. On peut pas prendre l'escalier? Le gameplay est assez lent. Hein. Par la fenêtre, il n'y a rien. Et la porte. Il n'y a que ça pour l'instant. On va aller vers la porte. Non. Rien de spécial à faire. Elle sort par là, elle. Marie, elle prend du temps. Est-ce qu'on doit aller chercher Miss Mary? Non. Je vais aller la chercher. Donc c'est nous. C'est Jennifer Simpson. Le nom de l'héroïne. Ce jeu est sorti en 95 et il y a eu des remakes sur PC, PlayStation et WonderSwan un peu plus tard. D'accord. À peine on est rentré dans l'entrée. On est passé vers la porte de sortie, il y a eu un cri, et nos copines ne sont plus là. C'est pas très rassurant, n'est-ce pas? Allez les filles, c'est pas drôle. Bon bah pas de réponse. Ah ça y est, on peut courir. Toujours bloquée la porte là? Locked. Bon, on va reprendre l'escalier. Par contre, à partir du moment où on a cliqué sur un objet, on peut plus courir. C'est pas très ergonomique, mais bon, c'est quand même un point and click sur Super Nintendo, faut pas s'étonner. Pour l'instant, j'ai pas sursauté, j'ai mis la caméra uniquement si je sursaute. C'est possible. Ce jeu est considéré comme le plus terrifiant sur Super Nintendo, puis des jeux d'horreur sur Super Nintendo, il y en a pas 50, hein. D'accord, on monte à l'étage. Les tableaux, il y a des lustres. On peut regarder par la fenêtre? Non. Bon, bah, on va courir vers la gauche. On peut courir avec L et R aussi. Oula! Ah oui, son émotion s'est passée jaune, elle a eu peur. Moi j'ai eu un petit sursaut quand même. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux pas aller par là? Non, c'est bloqué, t'as les coins, tu comprends pas. Bon bah on redescend. Son niveau d'anxiété, c'est la couleur autour d'elle. Et c'est un jeu dans lequel on ne peut pas se battre, mais on peut se défendre, à ce que j'ai pu comprendre. C'est lent quand même, hein. Moi je suis dans une baraque comme ça, mes copines ont disparu, je cours quand même, hein. Je fais pas marche après marche, hein. Toujours fermé par là? D'accord. Bon, bah, on va courir vers la gauche. Ça se trouve, il y a un truc dans le hall, en fait. Ah, là, il y a une porte, on dirait. Non? C'est bizarre, le truc jaune en bas, là. Non? Pas du tout. Admettons. Bon, bah, on va reprendre cette porte. Et là, il y a une pièce, alors on va y aller. Elle passe en orange, elle flippe légèrement. Il y a un éboulement, il y a des fenêtres. Je crois que ça veut dire le volet fermé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trou? Il y a un trou profond dans le mur et ça s'effondre. D'accord. Les volets sont fermés. Rien d'autre. Il y a quoi par là? Dehors, il fait noir. D'accord. C'est juste un couloir ou c'est l'entrée? Ah, c'était juste un couloir. D'accord. Bon, on va aller à cette porte. Les lumières sont éteintes. Où est l'interrupteur? Là. Voilà les lumières. Il y a une télé. Télé cassée. Là, il y a un objet sur l'étagère. C'est lent. Il y a une clé dans la boîte. J'ai ramassé la clé de l'aile ouest. J'ai eu un achievement, ça c'est cool. Un sofa confortable. Une petite table basse. Bon, apparemment, elle n'a rien à dire sur les tables, cette fille. Regardez dehors. C'est complètement sombre dehors. Bon bah, quelle heure est-il? Bonne question, mademoiselle. On est dans une chambre, apparemment. Qu'est-ce que c'est ça? Une photo, on dirait des jumeaux. Et le miroir. Ah! Ah, au secours! Un monstre qui m'attrape! J'ai tapé sur le bouton B. Bouton de panique. Bah super. Ouf, ouf. Le lit de gauche n'a pas été utilisé. D'accord. Je me suis fait attaquer par une main. Là, il y a une cage avec un oiseau. Je me prépare à appuyer dès que je vois qu'il attaque. Il dit quoi? Il dit « I'll kill you ». Allez, viens, le piaf. Il dit « I will kill you », quelque chose comme ça. Hein. Et il m'attaque. Oh, dégage! Allez, sauve-toi! Qu'est-ce que je peux faire? Dégage, sale con! Je suis passé dans un autre endroit. J'ai fait le tour, je suis à l'aile ouest peut-être. J'entends du bruit. Je t'en bloque. On va aller voir. J'ai un achievement, je sais pas du tout pourquoi. D'accord. Vous le sentez venir le coup du rideau de douche ou pas? Et qu'est-ce qu'il y a dans le chiotte? Je me prépare à appuyer. Hein. Je ne dois pas faire pipi, si tu veux. On va avoir le rideau de douche, attention. D'accord. Il y a notre ami qui fait du bondage. Il se passe quoi? Ah, des ciseaux! Au secours, au secours, au secours! Sauve-toi, 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 sauve-toi! Le nain, Scissorman, mais prends la porte, toi! Mais sauve-toi! Mais cours! Mais sauve-toi! Cours! Par là, par là, par là, par là, il va pas nous voir. Vite! Putain, encore le perroquet. On va changer d'aile. Le méchant du jeu, c'est un nain avec des cisailles. Le roi Merlin. Carrément. Cours, cours! Il y avait le... En fait, il y avait notre copine pendue dans la douche et le nain en dessous avec ses cisailles. Donc on présume qu'il coupait des petits bouts. Bon, il n'y a plus le nain là. Et quoi par là? Oula! J'entends des bruits de cisailles. Ah! Mais comment il a fait le tour lui? Vite! Et cours plus vite que ça! T'as la mort aux trousses, jeune fille! Allez, prends ton temps! Prends bien le temps d'ouvrir la porte, essuie tes pieds! Bon, le nain il parle plus, le perroquet parle plus là par contre. Allez, cours! Comment il a fait le tour de l'aile? Au secours! Au secours! Il est là! Je suis morte. On va refaire une partie vite fait sans le prologue. J'ai eu une fin, j'imagine. Ah, même pas, je suis mort, point barre. C'est quoi, continue?